À tout, c'est public, on se trouverait sur FF15 pour de nouvelles chasses bien badass, vous verrez. Mais avant tout, on va commencer par parler des bases du jeu suite au retour que j'ai eu sur la première vidéo. On va d'abord commencer par Encore des où mots de passe. trouver un contrat de C'est quand chasse. même bizarre. Rien de plus simple, vous allez sur la carte et vous cherchez l'icône fourchette-couteau, c'est les restaurants, et c'est ici que vous trouverez des contrats pour aller chasser. Donc devant nous, on en a un, on va y aller. On va parler au barman et c'est pas pour commander une bière. Salut toi. Vous mangez à Et donc votre là, faim. vous verrez que vous pouvez trouver vos Vous contrats de voulez des chasse. infos sur la région? Vous avez toujours Faites votre plus, de plus en choix. plus. Plus en fait, plus ce sera dur, plus ce sera épique. Nous allons maintenant nous intéresser à l'équipement. Donc quelle arme on peut avoir? On peut avoir une épée à deux mains, des pistolets ou une lance. Et donc chaque arme est efficace sur différents monstres. Nous allons voir tout de suite comment choisir l'arme à prendre contre chaque ennemi pour s'en sortir le mieux. Maintenant, nous allons voir comment savoir quelle arme est efficace sur quel ennemi. Donc pour ça, il faut passer en mode stratégique. Donc vous appuyez sur menu. Réglages, mode de combat et mode stratégique. Donc là vous verrez, le mode tant que vous n'avancez pas, et ben ça ne bouge pas, ce qui vous permet de mettre en place votre stratégie et surtout d'analyser les ennemis pour mieux les tuer. Donc on lance l'analyse, et donc là vous voyez, il y a eu des cases orange et violette. Orange signifie super efficace, violet pas efficace. Donc là ils sont faibles face aux dagues, javelot et la foudre, mais résistent au feu. Donc mieux vaut les tuer à coups de javelot. C'est ce que nous avons fait, vous allez voir, les dégâts vont s'afficher en rouge. Vous voyez? Voilà. Maintenant, le système de combat. Donc vous jouez toujours Noctis, qui est le héros du jeu, et vos trois acolytes, Prompto, Ignis et Gladio, se battront d'eux-mêmes. Mais vous voyez la petite barre verte qui se remplit au fur et à mesure que je mets des coups ou que j'en prends? Et ben ça vous permet d'utiliser des attaques spéciales de vos amis, comme celle-ci, vous allez voir, celle de Prompto. Donc voilà en gros comment fonctionne le système de combat. Il n'y a rien de vraiment compliqué. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai. On se retrouve tout de suite pour les chasses. Retour les amis, dans cette belle matinée, à 9h du matin, vous avez toujours rêvé d'avoir des sacs, des bottes? Même une veste en peau de croco? Préparez-vous à vivre le Crocodile Dundee Style avec cette petite chasse bien badass. Let's go! Là-bas, vous le voyez? Reste sur tes gardes. Ouais, pour par surprise. C'est parti! Ça non plus. Petit croco de merde. Démolir! Putain! What? Malato! Ubriachi di merda! Vai via, via! Pronto! Détruis-le! Cette fois, la peur va changer de camp! Fais le mort! Joli travail! Oh, doucement là! Petit, 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 petit! Viens ici, petit! Et là, mon gars! Combo! Hop, 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 parade! Et enchaînement! Ça, c'était bien censé, oui, oui, oui! Ouh, chave! Et de 1, ça, c'est fait! Brrrr! Oh le salopio! Viens ici! Une fille avec éradication! Gladio, vas-y! Oh putain, il a fait coup double! Il a fait coup double, Gladio! Et voilà, la première chasse est faite! Servez-vous! En écaille de croco! Regardez-moi cette petite gueule de con. Bon les amis,
On se retrouve pour une deuxième chasse tout de suite. On va aller chasser un griffon, mesdames et messieurs. 10 points pour Gryffondor. Bon, les amis, nous y sommes. Nous approchons de l'antre du griffon. Au loin, vous pouvez déjà l'apercevoir, battant des ailes, fendant les cieux, tel un oiseau de feu. Mais là, il va mourir. Oh putain, le mec est venu nous choper lui-même. Chopez-le, fils de pute. Il est où? Griffon. Il est 100 fois. Oh, il est là, il est. Tiens. Oh putain, t'es ça, j'ai pas eu beaucoup de vie. Oh putain, je suis quasiment mort, les amis. Comment dire, ce griffon, il a pas l'air de rigoler, quoi. Viens ici, griffon. En tout cas, il est super beau. Commencez par lui péter la gueule. Prompto, explose cette salope. Il enchaîne. Prompto, seconde vague. Laisse pas s'enfuir. Il a un beau petit cul, quoi. En tout cas, il est super beau, quoi. Il est magnifique. Il est très très beau. Oh putain, l'esquive. C'est un petit salivant, il va être chiant à tuer celui-là, je le dis. Oulala. Il rigole pas. Il rigole pas, le griffon. Tiens. Oulala. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut l'éradiquer! Il faut éradiquer la sale race. Gladio? C'était pas le moment! Mais pas du tout, Gladio! Une fois de plus, Gladio tire dans le vide. Il est parti là, cet enfoiré. Oui, c'est! Il est coincé où? Ah oui, il est coincé! Il est couché, frappé, frappé! De le prendre à revers. Il s'est envolé dans la forêt. Prompto, flingue-le! Coupe les ailes! Putain, culé! Il résiste. Oula, oula. Mayday, mayday! Et c'est Star Command, et c'est Star Command, je suis en danger. Je m'en fous, j'ai jusqu'au bout! J'irai au bout de mes rêves. Tout au bout de mes rêves. Que le griffon crève tout au bout d'un verre. Pète son hiver là. Quatre ça, travail. Oh putain, les gars. Danger. Mayday, mayday, je suis en danger. Merci, Gliss. Il est en plein vol. Et encore une blessure tout seul, je me suis quasiment KO, putain l'esquive. Et m'a mis KO de nouveau. Putain. Petit con. Putain, putain. Éradique-le. Éradique-le, putain. Tue-le. Inis Manu, bien mis. Putain, cul, il est fort. Il est fort, le griffon, il faut vous le dire. Putain, mais laisse-moi romper deux secondes! Alors, ça va pas être simple, les gars. Ça va pas être simple de battre ce griffon, je vous le dis. Putain, mais il me colle au cul, il me marave, quoi. Il me met une branlée. Mayday, au secours, prompto, merci. Il est où? Il est là! Putain! Iglesias, regroupement, on se regroupe, on se regroupe. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Bon les gars, ça va être chaud. Faut dire que les choses comme elles sont. Hein. Ce griffon ne décode pas, quoi. Je me suis évadé du combat, je sais pas pourquoi. Putain, je me suis évadé du combat. On s'est enfoui comme des lâches.
Fullerton. Et la parade. Il m'a emmené. Regardez. Au secours. Oh putain. T'as la pute, il m'a emmené quoi. Ah c'était badass quand même. I believe Jack can fly. J'ai appris à voler. Qu'est-ce que tu fais, Buck? Yes! Victoire, les amis! Et on admire ce magnifique griffon. Il est quand même beau. Faut dire les choses comme elles sont. On s'est bien amusé. On a même appris à voler. Bon, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous. Ça aidera. Merci beaucoup. À la prochaine pour de nouvelles aventures sur OJT. Ciao, ciao.